Je ne crois pas que ce soit une malédiction, je crois simplement qu'il euh, y a un problème de modèle économique. Nous sommes encore euh, le cinquième championnat européen, donc par sa puissance économique, et euh, les joueurs français, euh, quand ils sont très bons, hein, comme Pogba, comme Grisman, euh, quittent euh, notre championnat pour aller jouer dans des championnats où euh, le modèle économique et euh, les conditions de rémunération pour eux sont plus attractives, comme l'Espagne ou l'Angleterre. Voilà, donc le, 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 on est le premier pays au monde en matière de capacité de formation, capacité de détecter des talents, de les former, de les faire grandir, de les valoriser. Mais aujourd'hui, euh, notre modèle économique ne permet pas encore de les euh, conserver. Donc euh, la France est championne du monde, donc elle est clairement le premier pays au monde pour pour euh, former des talents. Euh, mais euh, en Coupe d'Europe, euh, ben, ces talents-là euh, partent. Il y a dans le modèle économique français donc un poste important de chiffre d'affaires qui est la vente de joueurs, que j'évoquais tout à l'heure, la capacité à former des talents mais ensuite ne pas les garder. Mais ça, ça améliore la balance commerciale, si je peux dire, puisqu'on on exporte beaucoup de joueurs. Donc tout ceci contribue à, à, à rattraper notre retard par rapport aux. Quatre autres grandes nations européennes. On a un problème structurel de charges, donc il n'y a pas d'harmonisation sociale sur les sur les charges sociales et patronales. Et en Allemagne, par exemple, donc il y a, les charges sociales et patronales sont capées. C'est-à-dire comme ça a été évoqué par un syndicat de de clubs dans ces semaines précédentes. Donc on, on voit bien que le Paris Saint-Germain à lui seul paye autant de charges sociales et patronales que trois ligues européennes et qu'un club comme Angers paye plus de charges. Qu'un club comme le Bayern de Munich, par exemple. Donc il y a un problème de, 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 de déséquilibre économique euh, en matière de charges sociales et, et patronales avec nos, nos concurrents européens. Mais le contrat qu'on a signé avec Mediapro Pro et BIN pour le cycle 2020-2024 va contribuer à rattraper ce retard. On a une augmentation des droits internationaux entre deux, la saison 17-18 et 18-19. Qui va passer de 45 millions par an à 70 millions par an, c'est encore très loin de ce que font là aussi les grandes nations européennes, mais, mais on progresse, oui. Alors il ne faut pas du tout s'en réjouir de ce projet de super ligue européenne qui voit maintenant le jour euh, à l'UEFA et qui est porté par l'ECA, l'European le Club Association, qui est l'association des grands clubs, donc qui veulent créer euh, une ligue quasi fermée. Puisque le projet est le projet de constituer, de réformer entre guillemets la Champions League et de passer de 8 groupes de 4 à 4 groupes de 8, donc ça ferait beaucoup plus de matchs. Beaucoup plus de matchs pourquoi Pour faire beaucoup plus de recettes de droit télé. Et par ailleurs, donc sur 32 équipes, 24 se maintiendraient de saison en saison. Donc le, le, le sacro-saint principe fondateur euh, des Coupes d'Europe, qui est l'accession via les championnats domestiques et l'accession au mérite sportif. Ce sacro-saint principe fondateur depuis 1955 par des Français, le journal L'équipe, Jacques Ferrand, il est euh, battu en brèche avec ce, ce, ce projet dans lequel 24 équipes sur 32 se maintiendraient. Et donc, euh, si je veux résumer, donc le projet c'est de faire plus de matchs pour plus de recettes pour moins de clubs. L'horizon européen, ça serait en effet l'Europa League euh, qui euh, qualifierait chaque saison, puisque 32 moins 24, ça fait 8. Donc il y aurait quatre clubs qui viendraient de l'Europa League, les quatre demi-finalistes de l'Europa League de la saison précédente, et quatre clubs qui seraient des champions nationaux, mais dès l'instant où ils ne sont pas déjà représentés. Ce qui donnerait un exemple assez incroyable, c'est qu'une équipe comme Lille. Qui, cette année est deuxième de notre championnat et donc dans la formule actuelle Lille accédera la saison prochaine à la Champions League dans la nouvelle formule Lille en étant deuxième ne pourrait pas accéder devrait passer par l'Europa League la saison suivante je ne pense pas que ce soit le sens de l'histoire regardons d'ailleurs la Champions League les matchs exceptionnels qu'on a eu la semaine dernière donc en demi finale les retournements de situation imprévus une finale Liverpool contre Tottenham Tottenham une équipe que personne n'attendait Là, je ne suis pas certain qu'avec le projet tel qu'il est aujourd'hui préparé, on pourrait voir totalement en finale de Champions League. Ça n'a rien à voir avec un projet de, 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 de ligue fermée à l'américaine, hein, où il y a. Euh, certes, de ligue fermée, mais avec un système de drafting qui fait tourner les, les meilleurs joueurs et surtout un système de salary cap. Donc, c'est un système égalitaire en fait, euh, le, le, le système de franchise dans le sport américain. Là, c'est n'est pas du tout ce dont on parle. Là, on parle d'une ligue quasi fermée, 24 clubs sur 32, donc euh, au bénéfice de, de quelques gros clubs. Il y avait la semaine dernière à Madrid, donc une réunion organisée par les ligues européennes, European Leagues, à laquelle ont participé 250 clubs donc sur 900 clubs en Europe. Donc c'est une grande mobilisation, euh, 250 clubs de, 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 de pratiquement tous les pays d'Europe. Il y avait euh, 19 clubs français euh, présents, 15 clubs de Ligue 1, 4 clubs de Ligue 2. Donc euh, oui, la, la mobilisation est en train de, euh, de, de se faire. Euh, mais une fois de plus, euh, aujourd'hui c'est un projet. Donc, euh, et en tout cas, l'UEFA nous a présenté la semaine dernière ce projet en disant bien que c'était un projet. Donc euh, je, je vais l'appeler projet en, en faisant euh, valoir auprès de vous et, et auprès de nos interlocuteurs évidemment à l'UEFA ce qui ne nous va pas dans ce projet. Il n'y a pas de calendrier arrêté, mais euh, le. le L'objectif, euh, c'est d'arriver à une décision euh, d'ici fin 2019, début 2020. Pour application à ce moment-là dès... À partir de 2024. Parce qu'en fait, le, le, ce qu'on appelle l'access list, euh, ce qui euh, euh, détermine euh, les, les participants à la première saison de cette nouvelle compétition, qui serait la saison 2024-2025, l'access list serait déterminé sur la moyenne des quatre dernières saisons. Je n'ai pas, pas de doute sur, euh, sur ce que sera la position des pouvoirs publics, car il faut rappeler que le football professionnel, on ne le sait pas assez, euh, avec le mécanisme de la taxe buffet, donc, qui est un pourcentage fixe des recettes de droits audiovisuels. Donc, cette taxe buffet, elle abonde le sport amateur, pas seulement le football amateur, l'ensemble du sport amateur. Et c'est donc plusieurs dizaines de millions d'euros par an, et près de deux fois plus à partir de 2020, qui vont dans le financement du sport amateur, dont il a été amplement question il y a quelques semaines avec le financement du CDES. Donc c'est une, une, plusieurs dizaines de millions d'euros par an euh, sortent des caisses du football professionnel par la taxe buffet pour aller financer le sport amateur. Donc, je, donc le, le, le projet dont on parle, euh, il, il représente une menace, pas seulement pour l'équilibre économique de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais aussi pour une partie de l'équilibre de l'ensemble de la filière sport, y compris sport amateur en France.